Le cygne et le cuisinier. Fable numéro 12 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J. C. Gouin. Celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eut vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et, le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe ?»« Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Fin de la fable numéro 12, Le cygne et le cuisinier. Cet enregistrement fait partie du domaine public.